Wow. Je peux faire une dédicace. Vas-y, fais ta dédicace. Je fais la dédicace à ma femme, Karen. Rends-moi les enfants, s'il te plaît. C'est l'heure de ma garde. Hashtag rends les enfants sur le chat. Non, je suis... Il y a trois raisons pour lesquelles c'est les voyages dans le temps qui vont gagner le festival. Premièrement, dans une partie, si tu te fais tuer, il suffit que tu reviennes dans le temps de quelques secondes pour savoir ce que l'autre en face va faire, et du coup c'est toi qui le tue. Deuxièmement, si tu tombes que sur des teammates qui sont pas très bons, il suffit que tu remontes dans le temps de 5 minutes, du coup t'es en double dans le passé, tous les deux vous remontez encore le temps de 5 minutes, du coup vous êtes en triple, vous remontez tous les trois dans le temps de 5 minutes, et 20 minutes avant vous êtes donc à 4, et tu peux faire une team de 4 avec 4 versions de toi-même, là t'es sûr d'avoir une bonne équipe. Et la dernière chose, c'est que si tu te rends compte à la fin du festival que la team Voyage dans le Temps a perdu, il suffit que tu remontes dans le temps et tu changes d'équipe. Et là, du coup, t'as gagné le festival. Et dites-vous que si on perd, eh ben, c'est qu'on sera tous partis dans une timeline alternative où on aura gagné. C'est moi, le monstre gentil. Coucou. Encore une fois. Me revoilà. On avait dit on bougeait pas là. Qui... Tu peux te recacher, vas-y. Je bouge pas. Oh, je vais me taper. Mais non, c'est Lina. Je ne bouge pas. De Lina. Je ne bouge pas. À un moment, ça suffit. Evie ne bouge pas du tout. Non, j'avoue, son petit squid sur la map ne bouge pas. Ah non, mais du tout. Totalement si immobile. Si on se met très loin de l'écran, il est immobile. Bon, c'est bon, il m'a saoulé. Et je l'ai brain. J'ai pas bougé. Je sais pas viser. J'ai pas bougé, je suis exactement à la même place que tout à l'heure. C'est mon mur d'angle qui l'a tué. Ça, c'est du jamais vu, quoi. Le mur d'angle qui tue un choc chromatique. Gaffe, parce que les billes rebondissent sur les murs. Damn, son.
Salut Octo Boy, j'espère que ton kiwi va bien. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite sur YouTube. J'en vois. Bienvenue à vous. Bienvenue également au Team Tortue. Malheureusement pour vous, on va vous battre. Enfin, ça me paraît une évidence. Il n'y a plus rien à prouver, quoi. Ah bah tiens. Evil Squid et Evil Merde dans une même équipe. Que demander de plus? C'est parfait. Ils vont croire qu'on a un binôme. C'est ça qui est fou. Ah, abattu par Zizi. Ouh, ah bah non. Bon bah, Zizi peut aller se rhabiller. Ah là là. Ah, avec le centre, on a peut-être moyen de gagner quand même. Bon. Ça c'est vraiment un strat en turf. Être le petit liquidateur un peu nul qui fait pas beaucoup de kills mais qui s'infiltre partout. Vous savez, l'espèce de petit caillou qui s'infiltre dans la chaussure. Bah c'est moi. Je ne suis pas là. Bon. C'est fatigant de faire des lives. Hein. C'est fatigant de jouer à Splatoon déjà, mais faire des lives. En plus. Quand on est aussi... Putain, on est nul en fait. 2 kills. Tu peux dédicacer ma famille dans l'ordre alphabétique grec, s'il te plaît. Personne. Tu n'as pas de famille, Léopold. Bon, la plateforme polymorphe, là, s'il vous plaît. Sérieusement. On a fait moins de défaites que de matchs sur la plateforme polymorphe. C'est incroyable. Vous savez, il y a un truc que j'aime bien dire. Mais c'est parce que mon grand-père le disait souvent. Raconte-nous une histoire. Evil Squid. Raconte-nous deux histoires. Evil Squid. Mais mon grand-père, je jouais aux échecs avec lui. Et pour rigoler souvent, il était meilleur que moi. Et il me disait, là, je vais te jouer un coup qui m'a rendu célèbre. Et ça m'a toujours fait rire parce que mon grand-père est pas célèbre. Sachant que c'est une blague évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il faisait ça, au final il déplaçait juste un pion. Ouh, shit, il pleut des rouleaux sur cette partie. Hein. Donc. Oh, la connexion est instable. Oh non. Ouh. Ah bah. Oh. T'as disparu. Ouh. On bat 3v4. Si on perd, c'est pas de notre faute. Hein. A few moments later. C'est Maka qui nous fait perdre en fait. C'est ça. Oh. Genre, le néon est plus utile que Maka. Pour la peine, les gens dans le chat, je vous invite à faire la danse. En ma mémoire, de vous filmer et d'envoyer ça par email à Evil Squid et il fera une compilation en vidéo. Ah, Léopold, t'as retrouvé ta pole position. T'as lu au pole position. Bah écoute, on va avec ce qu'on a. Oh, Dali Go on fire. Pourquoi vous dites jamais Léopold on fire par exemple? C'est bizarre, hein, je m'en rappelle. On a Patrick Bruel en face. Bah, quand je vous dis qu'on allait casser ces victoires là, et bah personne m'a cru en moi. Bah attends, il reste encore 1 minute 38. Hein. Ah non, moi je dis c'est victoire assurée. C'est un lièvre, hein, il prévoit la victoire en avance. Et ouais! Au moins 4 matchs avant.